Les réfugiés nigérians vivant dans des camps de fortune à Difa au Niger vont être relogés dans des camps plus sûrs où ils seront pris en charge par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et ses partenaires. Selon l'organisme onusien, plus de 250 000 personnes sont concernées. Nous avons aussi ce délai très court qui est donné pour pouvoir les déplacer le plus tôt possible. Et sans compter que c'est une région qui est désertique, vous le constatez, les camions sont très mis beaucoup à l'épreuve pour transporter ces populations-là. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, nous sommes autour d'une quarantaine de degrés à l'ombre, ce qui ne constitue pas une facilité pour les personnes en besoin spécifique tels que les enfants, les femmes, les tantes et les femmes enceintes. Ce relogement est un soulagement pour ces milliers de réfugiés qui veulent oublier les affres de Boko Haram. La paix, c'est quand Dieu vous protège des choses démoniaques. Je veux être loin de Boko Haram. Nous prions tous les jours pour notre protection et la paix. Les 250 000 réfugiés nigériens ont fui leur pays pour se mettre à l'abri des atrocités du groupe terroriste qui sévit au Nigeria et dans les pays voisins.